Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant mes 10 pronostics pour cette 21e journée de la Serie A italienne. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, rassurez-vous de vous abonner, abonnez-vous et activez la cloche de la notification pour ne plus manquer aucune de nos prochaines vidéos concernant les pronostics des 5 grands championnats et partagez la vidéo avec vos amis. Alors, on commence. Le premier match de cette 21e journée de la Serie A italienne qui oppose Cremonese contre Lisse. Lisse qui se déplace sur le terrain de Cremonese et qui est vraiment en grande difficulté ces derniers temps. 15e au classement avec seulement 4 victoires en 20 matchs contre cette équipe de Cremonese qui est le dernier, la lanterne rouge du classement, qui a enregistré 0 victoire en 20 matchs. Mon pronostic pour cette rencontre, nous allons choisir tout simplement comme score exact 1-0 en faveur de Lisse. Mais comme pronostic sécurisé, nous allons choisir -3,5 buts dans le match. Le prochain match qui oppose Roma contre Empoli. Roma qui est 6e au classement du tableau et qui a 11 victoires en 20 matchs contre cette équipe de Empoli qui est vraiment en grande performance ces derniers temps et qui est sur une série de 7 matchs sans défaite. Empoli qui est 10e au classement. Mon pronostic pour cette rencontre, nous allons choisir tout simplement 2-1 en faveur de AS Roma pour un match qui lui sera très difficile. 2-1 pour AS Roma. Mais comme pronostic sécurisé, nous allons choisir 1+1,5 buts dans le match. Le prochain match qui oppose Sassuolo contre Atalanta. Sassuolo qui est 16e au classement du tableau, qui a enregistré tout simplement 5 victoires en 20 matchs. Sassuolo qui a écrasé AC Milan pour le match passé 5-2. Vraiment, c'est incroyable ce que cette équipe fait ces derniers temps parce qu'ils ont su une série de 4 matchs sans défaite contre Atalanta de Belgrade qui est 4e au classement, qui a enregistré 11 victoires en 20 matchs. Atalanta est en train de lutter pour décrocher une place dans le top 4 à l'issue de la saison afin d'être éligible pour la Ligue des Champions. Mon pronostic pour cette rencontre, nous allons choisir tout simplement comme score exact 3-1 en faveur de Atalanta. Mais comme pronostic sécurisé, nous allons choisir +1,5 buts dans le match. Le prochain match qui oppose Spezia contre Napoli. Spezia qui est à domicile et qui accueille tout simplement le leader du championnat, le leader incontournable du championnat, Napoli, qui est sur 17, qui est une série de 6 matchs sans défaite. 17 victoires en 20 matchs, une seule défaite cette saison en série A. 53 points au compteur contre le 17e du championnat spécial qui a enregistré simplement 4 victoires en 20 matchs. Mon pronostic pour cette rencontre, nous allons choisir tout simplement 3-1 en faveur de Napoli. Mais comme pronostic sécurisé, nous allons choisir tout simplement victoire de Napoli. Le prochain match qui oppose Torino contre Udinese. Torino et Udinese qui sont un peu en difficulté ces derniers temps. Les deux clubs sont vraiment en difficulté ces derniers temps. Torino qui est 8e au classement avec 7 victoires en 20 matchs contre Udinese qui est 7e au classement avec aussi 7 victoires en 20 matchs. Mon pronostic pour cette rencontre, nous allons choisir tout simplement 1-1. Mais comme pronostic sécurisé, nous allons choisir -3,5 buts dans le match. Le prochain match qui oppose Fiorentina contre Bologna. Fiorentina qui est 12e au classement et qui a enregistré 6 victoires cette saison en 20 matchs, 8 défaites contre cette équipe de Bologna qui est 9e au classement avec 7 victoires en 20 matchs, 8 défaites également. Mon pronostic pour cette rencontre, nous allons choisir tout simplement 2-1 en faveur de Fiorentina qui est à domicile devant ses fans. Même comme pronostic sécurisé, nous allons choisir +1,5 buts dans le match. Le prochain match qui oppose Inter de Milan contre AC Milan. Le grand derby milanais qui va se jouer pour ce week-end. Inter Milan qui est 2e au classement et qui accueille tout simplement AC Milan qui est vraiment en grande difficulté ces derniers temps. Qui a enregistré 11 victoires en 20 matchs. AC Milan qui s'est vu balayer par Sassuolo sur un score de 5-2 contre cette équipe de Inter Milan qui est en train de jouer très bien ces derniers temps avec un Lautaro Martinez en grande performance. Mon pronostic pour cette rencontre, nous allons choisir tout simplement 2-1 en faveur de Inter Milan qui est à domicile. Comme pronostic sécurisé, nous allons choisir +1,5 buts dans le match, soit 2 buts dans le match. Le prochain match qui oppose Hella Verona contre Lazio. Hella Verona qui est 18e au classement dans le rouge du tableau et qui a enregistré seulement 3 victoires en 20 matchs
contre cette équipe de Lazio qui est 3e au classement avec 11 victoires en 20 matchs. Mon pronostic pour cette rencontre, nous allons choisir tout simplement 2-0 en faveur de Lazio qui est à l'extérieur. Mais comme pronostic sécurisé, nous allons choisir double chance de Lazio. Le prochain match qui oppose Monza FC contre Sampdoria. Monza qui est 11e au classement et qui a battu Juventus de Turin sur un score de 2-0 le match passé contre cette équipe de Sampdoria qui est dans le rouge du tableau, 19e au classement, avec seulement 2 victoires en 20 matchs. Mon pronostic pour cette rencontre, nous allons choisir 2-1 en faveur de Monza FC. Mais comme pronostic sécurisé, nous allons choisir tout simplement plus 1,5 but dans le match. Le dernier match qui oppose Salernitana contre Juventus. Salernitana qui est 14e au classement et qui accueille tout simplement Juventus qui est 13e au classement. Juventus qui est vraiment en grande difficulté cette saison. Rien de bon ne va plus pour Juventus malgré les quelques recrues. Mon pronostic pour cette rencontre, nous allons choisir tout simplement 2-1 en faveur de Juventus. Juventus va chercher côté côté à relancer sa saison afin de continuer à grimper dans le classement du tableau. Comme pronostic sécurisé, nous allons choisir double chance de Juventus qui est à l'extérieur. Voilà mes 10 pronostics concernant cette 21e journée de la Serie A italienne. J'espère que vous avez aimé. Si vous aimez, alors laissez-moi un gros pouce bleu et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez la vidéo avec vos amis. Allez, à la prochaine vidéo.